Bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous montrer comment animer. En fait, on va avoir un squelette, un personnage rigué, et on va voir un squelette avec l'animation. Et je vais vous montrer comment prendre l'animation du squelette et le lier avec le squelette qui est rigué, qui rigue votre personnage. Donc là, nous avons notre personnage et nous avons notre animation. Voilà, il y a le personnage qui regarde gauche-droite. On va voir ici, c'est un peu plus fluide. Oh mon Dieu. Oh. Ah, je meurs. Donc, on va ouvrir un nouveau dossier. Et on va aller chercher nos animations. Alors, hop, j'importe mes FBX. Oui. Je vous montre après comment on obtient ça. Alors, j'ai trop de fenêtres. Ça me saoule. Hop, on dégage tous. Tac, tac. Ça, je vous en parle après, ça. Bon, ça, c'est 4D. Oh là là. Oh, la zone. C'est la zone, ce tuto. C'est la zone. C'est trop lent. On se fait chier. Et pourquoi il a pas coupé ça au montage? Les gens savent vraiment pas faire des tutos, putain. Je vais finir par créer ma propre chaîne YouTube. Et c'est long. Et c'est long. Voilà. Donc, j'ai créé donc mon petit cyborg, d'accord? Et pour le riguer, j'ai utilisé le site Mixamo. Voilà. Donc, il y a un tuto sur la chaîne pour savoir comment utiliser Mixamo pour faire danser son personnage, etc. Donc, vous allez dans Upload et puis vous pouvez uploader votre mesh pour qu'il fasse un rigging. Après, vous le récupérez en FBX. Et vous recevez ce résultat-là. Donc on a notre mèche et nous avons le squelette sans animation. J'ai sélectionné sur le site de Mixamo une animation et il me donne un FBX où il n'y a que le squelette. Voilà, que le squelette d'animé. Moi, je veux mixer les deux. Donc je le prends, CTRL-C, et je reviens dans notre scène, CTRL-V. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est déjà la bonne taille. Les deux squelettes sont de la bonne taille. Et il va falloir, si en fait vous copiez les keyframes et que vous les collez, ça va être un désastre. Faites-le, ça fait des rendus marrants et ça vous fera passer le temps. Mais on va utiliser clic droit, propriété personnage, et ici on a le changer la cible. Donc on a la cible et la source. Donc en fait, la cible, ça va être le squelette qui va être animé. Donc je prends mon squelette. Voilà, et là je vais. Voilà, l'animation nerveuse. Donc, où la fille est nerveuse, d'où nervous. Et ça va être la source de mes keyframes. Voilà, tout simplement. Et boum, c'est magique, c'est instantané. On voit que ça fonctionne. Et il n'y a pas de tortille du cul pour chier droit, comme on dit en ch'ti. Non, c'est pas du ch'ti, c'est du catalan. Non, le catalan. Ah, ça vient du Jura comme expression. Voilà, et donc on a notre animation qui fonctionne, et du coup ça fait super plaisir. Alors petit, si vous voulez enchaîner plusieurs animations différentes, eh bien vous importez vos autres FBX d'animation, et il vous suffira au moment où l'animation Nervous se termine, eh bien ici vous mettez une keyframe, et au moment où l'autre animation commence, vous changez la source et vous rajoutez une keyframe. Voilà, comme ça on passe d'une animation à l'autre. Donc il faudrait essayer de faire en sorte qu'il y ait une continuité entre les deux, même pose de base. J'ai pas testé, mais il faudrait tester avec deux animations très différentes et éloigner ces keyframes pour voir s'ils mixent les deux. Mais ça va faire, je suis sûr, ça va faire des trucs merguez. Voilà, donc c'était vraiment un tips, et pas un tuto, sur la création, eh bien, comment mixer tout simplement différentes animations. Voilà, alors ça, du coup, si je vous montrais, c'est un autre cyborg que j'ai fait, moins la va-vite que le modèle que j'ai utilisé, qui était là pour faire un test. Et en fait, j'ai fait un tutoriel qui explique toutes les techniques pour pouvoir créer un cyborg comme ça, donc qui est animable, c'est pas un objet très lourd. Avec l'exportation de Normal Map, puis Texturing, Substance Painter, etc. Donc du coup, en fait, vous trouverez dans la description un lien vers ce tutoriel. Voilà, j'utilise un ninja. Alors, il est moins esthétique que ce modèle, mais j'ai vraiment fait les formes pour pouvoir
pouvoir vous montrer les difficultés et les techniques intéressantes à utiliser. Voilà. Donc une petite vidéo explicative. J'en ai fait une autre sur la Bonjour chaîne et pour bienvenue dans cette... compléter encore cette vidéo où je recommande par-dessus et je vous montre quelques vidéos du contenu. Donc je vous invite à aller la chercher. Et bah voilà, il y a vraiment de quoi se mettre bien, des petits rendus sympas pour pouvoir faire son cyborg. Voilà. Et maintenant que je vous ai montré comment l'animer, eh bien, vous pourrez également animer votre cyborg. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous revoir sur notre groupe communautaire Facebook Motion Designer Community. Et puis, bah, écoutez, à la prochaine!